Brothers, sisters, what a joy to have you today, which is called the Good Shepherd Sunday. So we are, today is April the 25th, the fourth Sunday of Easter. It is also called the Good Shepherd Sunday. After this brief homily in English, après cette homélie en anglais, tout de suite après, nous allons avoir la même homélie en français. Et puis tout de suite après homélie française, nous prenons une homélie en créole. Donc, pas patience, pas aller si ou pas fin comprendre anglais ou français trop. So today is the fourth Sunday of Easter. The glow of the risen Christ still illumines our hearts. Today we are told the story that brings to light the effects of Jesus' resurrection on the church. Saint Peter, in the name of Jesus, heals the crippled man. When people stunned by this mighty deed looked with wonder at this simple fisherman, Peter candidly explained that the power he displays belongs not to him but to the risen Lord. Then he proclaims, "There is no other name under heaven given to the human race by which we are to be saved, the name of Jesus." Yet the church now acts in the name of Jesus. Jesus acts through the church. Yes, even now we already enjoy a share in his life, power, and victory. The image of the Good Shepherd used in today's Gospel further develops this theme. Jesus cares for his sheep as a shepherd for his flock. He protects us from the wolf, that is, from Satan, who seeks our ruin. He wants us to preserve our unity as one flock belonging to one shepherd. The division of Christians is declared to be an unsurmountable obstacle to the conversion of the world. We are God's children now. We have to show the world that God's children live in unity, not in discord. The division of Christians into 20,000 denominations is a scandal and a betrayal of the gospel. May Peter's words in the first reading remain engraved in our minds. There is no salvation anywhere else by which we can be saved except through Jesus. We have to become sheep of the one flock. May God bless you. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au quatrième dimanche de Pâques. Non pas le troisième dimanche après Pâques, mais le quatrième dimanche de Pâques. C'est la fête de Pâques qui se célèbre encore. Aujourd'hui, le 25 avril, l'Église appelle ce dimanche le dimanche du bon berger. La merveille de la résurrection remplit nos cœurs d'allégresse. Dans la première lecture du jour, nous voyons Pierre guérir un paralysé. À la foule étonnée, il déclare avec force qu'il n'a pu accomplir ce miracle que par la force du Christ ressuscité. Il n'existe aucun autre nom sur terre par lequel s'obtient le salut, mais le nom de Jésus. La pierre que vous avez pensé rejeter est devenue la pierre d'angle
éloquente déclaration qui doit raffermir et enflammer notre foi. Comprenons-le, la puissance que possédait le Christ de son vivant est maintenant transmise à l'Église. Au nom du Christ, de pauvres hommes accomplissent sa mission de prophète, de prêtre et de sauveur. Ils peuvent pardonner les péchés et dispenser la grâce. Dans l'Évangile, Jésus se décrit comme le bon berger qui nous protège des assauts des loups dévorants et qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus demande aux apôtres de ne former qu'un seul troupeau derrière un seul pasteur. La division des chrétiens en 10 000 dénominations est un scandale faisant obstacle au plan de Dieu. Arriverons-nous à le comprendre? Nous sommes enfants de Dieu. L'unité, non pas la discorde, doit être notre marque d'identité. Gravons dans nos esprits les mots de Saint Jean. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Jésus. Croire en Jésus, c'est croire en l'Église, une, sainte, indivisible. L'unité des chrétiens en une seule Église est une exigence incontournable de l'Évangile. Découvrez. Il est essentiel que vous découvriez Jésus comme le berger d'un seul troupeau et que nous soyons tous membres d'un seul troupeau pour proclamer au monde qu'il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus qui nous enseigne l'entente, l'amour, non pas la discorde. Que le Seigneur vous bénisse. Frère que ce moyen, c'est pas de content, moins content, voyons nous, jodia. Jodia, c'est 4e dimanche, Pâques. C'est comme quoi c'est résurrection Christ, on a fêté toujours. Et nous, ouais, deux bagailles, l'évangile jodia, le morceau de la Bible nous lit jodia. En premier, le premier morceau de la Bible, hein, nous est Saint-Pierre, qui vient en face, yon nèg qui cocobé. Et puis, lui dit, au nom de Jésus, c'est pour guérir. Et puis, Néglin guérit la même. Tout le monde saisit, je voulais battre bravo pour Saint-Pierre. Saint-Pierre dit, non, c'est pas moi-même qui fait miracle ça. C'est Jésus qui est levé bien vivant, qui servit avec moi pour faire miracle ça. Donc, nous découvrit que puissance et victoire qui l'ancrisse là, lui passait dans les mounes qui s'est l'Église, c'est pour nous quoi dans l'Église, et au nom de Jésus, l'Église qui a pardonné péché, qui a baptisé, qui a parlé au nom de Jésus, et qui a fait même mes que Christ est qu'on faire. Dans mes jeudi à tout, nous, ouais, évangile de Saint-Yuri, il est un bon gardien mouton, hein, bon berger, bon pasteur. Là. Jésus dit, lui, c'est bon. Pasteur là, il est là pour défendre nous, même gens ont gardé un mouton. L'autre dit, loup enragé, sorti pour manger mouton, yo. Eh bien, gardien mouton, hein, paré pour mettre loup dehors et pour quitter qu'un des fois pour loup modèle en place mouton. Yo. Et Jésus mandait nous pour que un seul troupeau, c'est-à-dire tout le monde qui croit en lui, pas divisé dans 50 000 petits groupes qui chaque monde appelait que les paille, et puis ils ne pas d'accord avec l'autre, des fois ils ne parlent l'autre mal, mais que tout le monde qui croit en Jésus, je fais un seul troupeau, un seul l'Église. Puis gros scandale que les chrétiens ont baillé, c'est qu'au lieu de mettre tête ensemble, ils ont divisé. Ça, c'est une trahison
le message de Jésus. Sur quoi dans Jésus? C'est pourquoi dans unité, tout le monde, dans tête ensemble, tout le monde qui remet Jésus. Donc, pas une bataille entre l'Église, une a plongé doit être sous l'autre, parler l'autre mal, ou quoi dans Jésus? C'est pourquoi dans l'Église qui fait pour une sainte, on seule l'Église, qu'on sa puissance qui est en Christ là, passe dans l'Église là. Si jusqu'on est un bon monde qui parcourt en Jésus, c'est peut-être précisément division chrétienne au gain. On réfléchit sur ça. Jésus dit c'est bon gardien mouton, et c'est pour tout bon. Monde qui croit dans lui, fait on seul bonne, on seul l'Église qui brille avec remet le gain. Et pour proclamer à toute terre que l'homme Christ pas une division. Croyez la unité de l'Église là, et sur l'Église des catholiques déjà renforcer la foi, pas quitter personne, virer tête. Et si vous n'êtes pas catholique, mon remet Jésus, réfléchis, ouvrez cœur. Pour comprendre, appelle ça que Jésus a bâillé aujourd'hui pour tout chrétien, faire un seul corps. C'est pour bon Dieu, bénis-nous. Amen. Entendez, on voit qu'après l'aime bien fort.
Simon, maintenant, là, où n'y est-il pas le pays.